Tiens, tiens, comme ça on se retrouve. Ouais, c'est super. Je suis trop contente de faire équipe avec toi. Bien, je vais vous lire les instructions. Vous allez devoir écrire un article de journal sur une personne du quartier que vous considérez être un héros. Et ça ne peut pas être moi. Dans un premier temps, vous devrez écrire avec votre partenaire une liste de héros potentiels. Un héros... Je sais, j'en ai un. Écrire une liste, choisir un héros. Et voilà, c'est la sonnerie. Fin des cours pour aujourd'hui, tout le monde. À demain. Oh, j'ai comme l'impression que ma liste est un peu plus longue. Ouais, à cause de ma dyslexie, j'ai pas mis autant de noms que toi. Mais ce qui compte, c'est la qualité et non la quantité, hein? Alors, comment ça se passe pour notre équipe de rêve? Ma dyslexie m'empêche d'écrire beaucoup de noms. Mais Karma a tout un tas d'idées de héros. Ne t'inquiète pas pour ça, Sam. Préviens-moi si je peux t'aider pour quoi que ce soit. Juste un petit rappel, vous êtes génial. Est-ce que ça va, Karma? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Comment ça se passe, le projet en équipe avec Sam? C'est pas terrible. Mais c'est surtout depuis que j'ai appris le problème de Sam. Sa dyslexie, c'est ça? Oui. J'ai simplement voulu l'aider. C'est vrai quoi? Switch m'a dit que les gens qui souffraient de dyslexie ne pouvaient ni lire, ni écrire, ni faire de maths, ni même manger des spaghettis. Sam est l'une des élèves de l'école qui sait le mieux lire, Karma. Et je peux te dire qu'elle adore manger des spaghettis. La dyslexie entraîne des effets différents pour chaque personne qui en souffre. Tu sais, moi aussi je suis dyslexique. Ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire, mais seulement que je fais les choses de manière différente. Sais-tu à qui tu devrais poser des questions sur les problèmes que rencontre Sam avec sa dyslexie? À Sam. Ding, ding, ding. Eh oui, directement à Sam. J'ai pas été très sympa, Sam. J'en ai conscience et j'en suis désolée. Mais en fait, j'avais jamais rencontré personne avec... La dyslexie. Tu sais, tu peux dire le mot, Karma. Si tu le fais pas, c'est comme si c'était quelque chose de gênant. Mais c'est pas le cas. Oui, je comprends. Je sais pas du tout ce que c'est, la dyslexie, mais je veux apprendre. La dyslexie, ça veut tout simplement dire que mon cerveau fonctionne différemment du tien. Pour moi, c'est plus difficile de comprendre les directives ou d'écrire les choses rapidement. Mais ça veut dire aussi que j'ai une énorme imagination et que je connais tout sur la photographie et que je suis douée pour faire des puzzles. Du genre, super douée pour faire les puzzles. J'en ai déjà fait un de 10 000 pièces et en plus, je l'ai fait toute seule. Je peux faire tout ce que tu fais, mais je le fais différemment, c'est tout. Je comprends. Et je te promets qu'à partir de maintenant, je tiendrai compte de tout ce que tu dis. Je vais être une bonne coéquipière. T'en es déjà une très bonne. C'est une belle journée dans le quartier que j'aime. Mon petit frère qui sent pas la rose, mais j'adore quand même. Tout ce qui m'entoure suscite en moi la joie et ça m'inspire. Je sors mon journal de mon sac et commence à écrire. Sur la page blanche, mes pensées courent enfin. Tout est assez rythmé, Miss Washington dans son jardin. Au sein de ma communauté, tout n'est qu'une unité. Ça sent le pain, ce chef Scott, c'est assez pour nous. Et ça sent tellement bon que ça donne envie. Je me sens fraîche comme si je sortais de cette laverie. Le magasin de musique est vraiment au top. Hip-hop, rock'n'roll et le meilleur pop. C'est là ma vie et tout ça n'a rien de frivole. J'arrive au collège Peachtree, c'est mon école. Chaque jour, je me demande comment m'améliorer. Mon journal est ma façon à moi de m'exprimer. Ma présence est un présent et mon talent un cadeau. J'ai le cœur sur la main et mes rimes dans mon stylo. Ma présence est un présent et mon talent un cadeau. J'ai le cœur sur la main et mes rimes dans mon stylo. Vraiment cool. Ça, c'est du rap. La da 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 da. Élaboré? Non. C'est créé. Ma présence est un présent et mon talent un cadeau. J'ai le cœur sur la main et mes rimes dans mon stylo. Je vais grandir tout en cultivant mon art. Noircissant mon journal du matin jusqu'au... Déjeuner. Allez, viens, Ka. J'arrive. Attends, Winston. Prends pas toutes les pommes de terre sautées, j'en veux. Je devinerai jamais. J'ai fini d'écrire cette chanson sur mon journal. Non. Oh, c'est génial. Je vais grandir tout en cultivant mon art. Et je... Attendez, j'ai oublié les paroles. Je vais vérifier, j'en ai pour une seconde. Oh, je l'avais rangé là. Où est mon journal? Ton journal? Il a disparu. Toutes les rimes que j'ai créées sont écrites dans ce journal. Oh non. T'en fais pas, Karma, on va t'aider à le retrouver. Mais oui, on va t'aider.
pourrais-tu m'aider à comprendre ce qui se passe? Tes mots sont surprenants, tes rimes ont la classe. Elles me sont si familières entre nous. Y'a pas de mal à avouer que tu es mon plus grand fan. Ça me fait mal que tu t'appropries mes vers, sachant que tu n'avais pas le droit, sachant que je le méritais pas. Et ça me met hors de moi. Tu dis mes mots comme s'ils étaient les tiens. Sais-tu seulement ce qu'ils veulent dire? Mais je suis la preuve que même si tu me copies, ça reste une copie. Ma vérité n'a pas pris. C'est bien le signe que ce talent est en moi et que cette flamme intérieure toujours brûlera. Je suis bien plus que les mots que j'exprime. Ce don est en moi et donne vie à mes rimes. Je suis bien plus que les mots que j'exprime. Ce don est en moi et donne vie à mes rimes. Génial, c'était super, Karma. T'es la meilleure. C'était génial. C'était t'as assuré. Quand je veux me sentir tranquille et détendue, je me rends dans mon paradis qui est une basket qui pue. Dans quoi? Je recommence, je vais essayer ça. Pas de soucis, pas de stress, je reprends du début. Mon paradis, c'est une truie bien dodue. Vraiment? Non, non, bien sûr que non. Cette rime n'a absolument aucun sens, c'est l'horreur. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est rien, ça va aller. T'es sûrement un peu en panne d'inspiration. Une panne d'inspiration? Ouais, ça arrive à mon père de temps en temps. Il dit que c'est un peu comme si ton cerveau était une page blanche et qu'il est difficile de trouver une bonne idée. C'est ça, c'est exactement ce que je ressens. Comment je dois faire pour que ça parte? Bah ça, je sais pas. Je sais ce que je vais faire. Je vais me concentrer, continuer à écrire et je suis sûre que ça passera. Bon allez, faut que je te laisse. Hop, ça fait des heures que je cherche une rime et rien ne vient. Je dois mettre le doigt sur ce qui me paralyse. Je dois mettre le doigt sur ce qui m'immobilise. Où est mon paradis? Le sais-je seulement? Mais qu'est-ce que je fais de mal? Oh, où est-ce que je peux? Oh Pour guérir d'une panne d'inspiration, mangez un sandwich au beurre de cacahuète et au piment jalapeño. Oh. Pour guérir d'une panne d'inspiration, essayez d'écrire la tête en bas. Pour guérir d'une panne d'inspiration, restez en équilibre sur un pied avec une banane sur votre tête. Toi aussi, je t'attrape. Reviens. Ça y est, j'ai enfin trouvé ce qu'était mon paradis. J'ai tellement essayé tout ce week-end de savoir quel lieu je préférais. Mais une fois détendue et concentrée sur mon ami au lieu de mon poème... Bon bah dis-moi, c'est quoi ton coin de paradis? Merci Switch, c'est grâce à toi que je suis plus en panne d'inspiration. Hey, j'ai récupéré mes pouvoirs. J'ai douté rien qu'une minute, je reviens pleine d'espoir. À la question, l'endroit que je vois comme paradisiaque, je réponds partout où est ma pote, car c'est l'éclate. Elle c'est Switch, alliée à jamais, un style fantastique. Au restaurant ou en salle informatique, les amis sont source d'inspiration. Apporte de l'aide, apaise tes cogitations. J'ai mis de côté ma douleur, ma peine, et en l'aidant, elle, je me suis aidée moi-même. Si un jour tu te retrouves piégée par la page blanche, prends un peu de recul avant de prendre ta revanche. Ouais. Mon paradis c'est toi, peu importe l'endroit. Oui, l'amitié c'est ça. Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. Toi, on ne te remplace pas.